Aujourd'hui, je vais dessiner Evil Thomas le train ou Thomas.exe, c'est comme vous préférez. Je vais le dessiner sur cette feuille et grâce à un sortilège, je vais le faire apparaître dans la vraie vie. Le but du jour, il est très très simple, hein, voilà, je le dessine et ensuite il apparaît grâce à un sortilège dans la vraie vie. Voici Thomas le train, voilà, il y a plein de versions de Thomas le train, voilà, on voit différentes versions, comment le dessiner, etc. Et du coup, nous faut qu'on fasse la version horreur, vous savez, avec le grand cou, les pattes d'araignée, etc. Et ensuite, grâce à un sortilège très simple, on le fait spawn dans la vraie vie et normalement, voilà, ça va fonctionner. On l'a déjà fait pour Serenade, Huggy Wuggy et Cartoon Cat, il me semble que c'était ça. Et les trois fois, ça a fonctionné. Du coup, c'est parti, let's go, on commence le dessin. Donc voilà, c'est parti, j'ai carrément un petit exemple pour savoir comment dessiner Thomas le train. Le truc, nous, c'est faut qu'on le dessine, voilà, en version horreur, en Thomas.exe ou Evil Thomas le train. C'est comme vous voulez, je sais pas c'est quoi le nom exact. D'ailleurs voilà, j'ai deux petits outils très importants qu'on va poser juste à côté. Voilà, j'ai le lecteur EMF et là j'ai un détecteur de pont thermique. Bon, en vrai je suis pas sûr qu'on va s'en servir, ça c'est plus pour les fantômes, puisqu'en fait c'est pour détecter genre par exemple Ok, il y a eu un problème. Ouais, il y a un bouille. Il y a un gros problème avec les abonnés, je sais pas trop, c'est la première fois qu'il me fait ça, il fonctionne pas. Il y a un... C'est la première fois qu'il fait ça, hein? Non, c'est la première fois, ouais. Ok, les abonnés, très étrange. Il y a un problème avec l'appareil. Alors, peut-être que c'est. Je sais pas trop d'où ça vient. Bon, écoutez, on va le laisser là tranquillement. C'est assez étrange, les abonnés. Je comprends pas trop pourquoi il y a un problème avec ça. Est-ce que c'était Thomas le train déjà? Je pense pas en vrai, vu qu'il est pas là. Peut-être un esprit. Alors, c'est possible, on est dans le loco des chasseurs de monstres. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche d'notification pour faire partie de l'organisation très secrète des chasseurs de monstres. Mais voilà, on est dans le loco des chasseurs de monstres. Du coup, forcément, et ben possiblement, il peut peut-être y avoir un esprit quelque chose, en tout cas le lecteur MF ne réagit pas du tout, mais le détecteur de pont thermique a un vrai problème, donc je sais pas, très étrange. Bref, on va commencer par simplement dessiner Thomas le train. Alors bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit tuto pour le dessiner, donc voilà, c'est pas très compliqué, vous allez peut-être pouvoir le refaire en même temps avec moi. Donc là c'est parti pour faire un cercle très réaliste, voilà. Ok, bon, on va recommencer parce que là clairement c'est pas un cercle que j'ai fait. Oh là 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 là, c'était très grave. Bon voilà, là c'est un peu plus un cercle, même si c'est pas non plus ultra ressemblant. Après je vous rappelle qu'on fait la version evil, hein, la version dangereuse, horrifique. Donc du coup bon, donc s'il a pas des formes excellentes, bon c'est pas trop grave puisqu'il est censé faire flipper. Donc c'est parti, on continue. D'ailleurs pendant que je suis en train de dessiner simplement Thomas le train, je vous proposais un petit jeu. Le petit jeu que je vous propose, il est extrêmement simple. Vous allez m'envoyer soit sur mon serveur Discord, soit en message privé Instagram, vos meilleures versions dessinées de Thomas le train. Vous me dessinez Thomas le train et soit sur Instagram, voilà, ça s'affiche à l'écran, et mon Discord aussi. Vous m'envoyez ça et celui que je considérais le meilleur dessin, je lui offre un Minecraft ou un jeu de son choix. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Discord pour vous finir votre meilleure version du dessin. Allez, let's go, on continue tout simplement ce Thomas le train. Donc là, je viens de finir la tête. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? En vrai, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt stylé en vrai, la tête pour l'instant. Donc voilà, on va voir après petit à petit, hein, parce que voilà, faut faire attention quand même, le dessin il est quand même très grand. Voilà, on fait la sorte de cheminée. Voilà, la cheminée elle est plutôt pas mal. Tac, 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 voilà. On fait ça, des petites lignes. Hop, let's go. Voilà, la cheminée est terminée. Alors là je suis en train de dessiner tranquillement. Le truc vraiment que j'ai peur, c'est pour les proportions, parce que là je dessine un petit peu tout à la vue. J'ai pas fait de mesure ni rien. Donc là c'est les proportions, j'ai peur que ce soit un peu n'importe quoi. Donc on verra bien à la fin ce que ça donne. Mais j'ai un petit peu peur pour les proportions, que ce soit un peu du grand nymphe. En vrai pour l'instant ça va. Mais voilà, les proportions, bon, je suis pas ultra convaincu de ce que je suis en train de faire. Let's go, on continue, hop, let's go. Après il y aura les couleurs et tout à ajouter, donc ce sera forcément un petit peu mieux. Pour l'instant il y a aucune manifestation du lecteur EMF. Je vais peut-être rallumer ça pour voir si... Il y a vraiment un problème, hein. Ok, là, ah, c'est bon, il refonctionne. C'est chelou. C'est juste qu'on est dans des températures basses, il fait un bruit. Comme pour nous signaler quelque chose. Peut-être un esprit en vrai dans la pièce, je sais pas, c'est bizarre. Pas rassurant tout ça, hein. Pas rassurant, pas rassurant. Je continue d'avancer sur ce Thomas le train et j'ai une petite anecdote à vous raconter. D'ailleurs, voilà, je vous le rappelle aujourd'hui, le but c'est que voilà, on fasse spawn Thomas le train. C'est la première fois qu'on va le voir sur cette chaîne. Enfin, Evil Thomas le train, Thomas.exe. Et vous allez voir, je pense vraiment que ça va être l'un des monstres les plus stylés que vous n'ayez jamais vu sur ma chaîne. Franchement, je pense que c'est le plus stylé, le plus gros aussi. Il y avait Serenette quand même, mais l'un des plus gros, l'un des plus terrifiants. Vous allez voir, franchement, il est extrêmement stylé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de regarder jusqu'au bout de cette vidéo. Je voulais juste vous faire une petite anecdote sur ça. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai pris l'avion, hein. Voilà, j'ai pris l'avion. Et regardez à quoi ça ressemble, cet étui. Est-ce que vous voyez pas autre chose aller dedans? Genre un gun ou un pistolet? Non, parce que je vous dis ça, parce que moi, j'ai pris l'avion avec ça. Le problème, c'est que je suis arrivé au portail de sécurité. Ça, c'était dans mon sac. Je passe les scanners. Je peux vous dire, les abonnés, à l'aller comme au retour, je me suis fait arrêter. Voilà, ils m'ont arrêté. Ils m'ont demandé d'ouvrir la valise devant eux, de sortir ça et de leur montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Une fois que j'ai sorti ça devant eux,
Et ben je peux vous dire qu'ils étaient pas beaucoup plus rassurés. Ils m'ont demandé de l'utiliser, de leur montrer à quoi ça servait. Du coup je devais leur expliquer en anglais que voilà c'était un détecteur de pont thermique. Mais le truc c'est que voilà, pourquoi j'ai un détecteur de pont thermique en fait dans ma valise? Et ben c'était au cas où si je devais faire des vidéos, et ben à l'endroit où j'étais parti avec l'avion. Donc voilà un petit peu l'anecdote. Mais franchement les deux fois ben je faisais pas le malin, parce que je peux vous dire que la sécurité de l'aéroport était un peu en mode attends mais t'as quoi en fait dans ta valise là? C'est un peu bizarre ce que t'as. Parce que forcément quand tu vois la tête de l'étui on dirait que j'ai un gun. Mais bon voilà, allez bref on continue le dessin. Oh les abonnés, première variation sur le lecteur EMF. Ok ça va, c'est passé dans le jaune. Alors par contre je vous jure que tout à l'heure c'était passé dans le rouge. Il y a eu des premières variations. Wow. Alors là clairement vous voyez ça passe dans le rouge. Ok. Ok, très inquiétant là ce qui est en train de se passer. Ok, alors je vous explique un petit peu ce que c'est que cet outil. Ok, il est toujours dans le jaune. Ok ça va. Ok, ça teint petit à petit. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tout simplement c'est un lecteur EMF qui mesure les variations dans le champ électromagnétique. Donc potentiellement quelque chose qui est apparu et qui provoque des variations dans le champ électromagnétique. Donc là potentiellement c'est peut-être Thomas le train qui commence à faire des petites apparitions et du coup qui nous dit bah attention, voilà j'arrive. Du coup voilà, on va se dépêcher de terminer ce dessin. Voilà, let's go. On fait le petit cadre comme ça, voilà. Là il faut que je fasse les roues. Ok, les roues ça va être un petit peu complexe en vrai. Et voilà, maintenant je passe au rail. Voilà, je suis en train de faire les rails. Voilà, let's go. Hop, voilà. Et ensuite du coup on va le rendre eh bien horrifique. Voilà, avec des pattes d'araignée et tout. Donc voilà. Et peut-être les yeux aussi, on va essayer de les faire un petit peu plus horreur. Donc voilà, là c'est à moi de le rendre un petit peu plus horreur. Donc voilà, je sais pas trop comment on va procéder. Peut-être lui faire des petites pattes, genre des petites pattes d'araignée, tu vois, hop. Voilà, je suis en train de lui faire des petites pattes un petit peu en mode horreur. Franchement, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Donc voilà, on lui fait des petites pattes en mode horreur, tac. Alors là, déjà, très clairement, vu comment je suis en train de le dessiner, je vous dis, hein, dans la vraie vie, il va être beaucoup plus terrifiant. Parce qu'il aura une très longue tête. Normalement, il va avoir une longue tête qui s'allonge, voilà. Il y aura plein de pattes d'araignée, forcément. Enfin, vous allez voir, vraiment, là, la version que je dessine, limite... C'est une version soft par rapport à ce que ça va être dans la vraie vie, tu vois. Donc bref, on va continuer de dessiner, mais vraiment, vous allez voir, ça va être très terrifiant. Donc là, c'est bon, on est parti pour le coloriage. Let's go, on va le colorier. Et voilà, on a notre Thomas.exe. Alors let's go, du coup bah on va colorier tout ça. Donc là la tête en grise, voilà let's go. On colorie la tête en grise. Alors là je suis en train de finaliser la tête, les abonnés. Voilà, let's go. Tranquillement, ça passe dans le voilà tout en gris. Ça va être vraiment stylé, vous allez voir, il va être vraiment cool je pense. What? Les abonnés, la lumière vient de s'éteindre. Ok. Le lecteur MF passe dans le jaune. Ok. Oh, petite variation dans le rouge. Les abonnés, la lumière vient clairement de s'éteindre. Il fait tout noir. Oh, il y a eu un bruit flippant là. Ouais, j'ai entendu. Comme une sorte de bruit d'esprit. Alors, c'est peut-être pas Thomas le train, c'est peut-être un esprit qui est simplement dans la base des chasseurs des monstres. On va explorer, on va voir la recherche. Alors là, vraiment, c'est un petit peu flippant ce qui se passe. J'aimerais bien terminer mon dessin en paix. J'ai eu peur, hein. Franchement, j'ai eu peur quand j'ai ouvert la porte. J'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose. Regardez un peu. C'est bizarre. On va essayer de rallumer les lumières pour voir. J'appuie sur l'interrupteur mais rien ne se passe. C'est vraiment chelou, comme si on s'était fait attaquer. Vas-y, viens. Il n'y a rien du tout. Les abonnés, c'est vraiment très bizarre ce qui vient de se passer. Il y a vraiment un problème là. Je sais pas, c'est très c'est flippant. Hein. Ouais, c'est flippant. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pas trop, ça. Tu penses que ça vient de Thomas le train ou quelque chose d'autre? Je sais pas. J'espère qu'on va pas devoir terminer ce dessin dans le noir, ce serait un peu embêtant. Bon, pour l'instant, en tout cas, les lumières ne fonctionnent pas. Donc on va continuer de on va se dépêcher hein. Voilà, ça rend le truc du coup tout de suite un peu plus oppressant. Ça parce qu'à l'extérieur, normalement, il fait jour hein. Ouais. Donc on va voir, hein. Dépêche de finir ça. Ouais, il y a des variations là. Il y a des variations sur le lecteur MF. Ouais. Donc faut qu'on se dépêche vraiment de terminer ce dessin et qu'on se retrouve à l'extérieur. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la porte histoire qu'on ait un peu de lumière du jour, je sais pas. À moins que ça revienne. Très flippant. En tout cas, je me dépêche vraiment de terminer ce dessin là. Ce foutu dessin. On voit bien le dessin quand même ouais, sans lumière. On voit bien, on voit bien. Ok, ok. Je me dépêche de finir ça les abonnés. Du coup on va le dessiner. Oh là là, j'en perds mes crayons. On va le dessiner vraiment en mode horreur, donc on va le dessiner des yeux bien rouges comme ça, voilà, hop, ah voilà, c'est déjà un petit peu plus flippant, hop, avec du coup les yeux tout noirs comme ça, ça le fait hein. Stylé. Wow, le lecteur MF par contre il s'affole de fou. Dès qu'il a dessiné les yeux rouges. Ouais, c'est un, à mon avis c'est Thomas le train, hein. C'est déjà Thomas le train en fait qui commence à, un Thomas exit le train parce que genre voilà, qui commence déjà à nous dire genre attention les gars j'arrive. Donc voilà, on va se dépêcher de finir ce dessin, l'invocation va pas être compliquée, on va le faire au feutre rouge. D'habitude faut utiliser de la peinture mais rouge qui symbolise le sang, mais en vrai le feutre ça avait déjà fonctionné la première fois donc je pense qu'on va faire ça comme ça. Il me reste plus grand chose à colorier, voilà, et normalement ce sera fini. Donc voilà, on est toujours plongé dans le noir, toujours dans une ambiance assez terrifiante. Il y a le lecteur MF tout à l'heure qui a sonné un petit peu, là ça va
pour l'instant on... ça se gère, mais voilà, on a hâte quand même de pouvoir sortir et de le faire spawn, voilà, et qu'on puisse sortir d'ici, parce que là l'ambiance dans la base des chasseurs de monstres est vraiment pas agréable, c'est plutôt très effrayant. Voilà, regardez le lecteur MF encore une fois, vous voyez, je vous mens pas, hein, c'est vraiment hardcore ce qui se passe. On va se dépêcher de se finir ça là, parce que vraiment là j'en peux plus d'être ici. J'ai peur que ce soit un esprit ou un truc comme ça, même si je pense que c'est vraiment Thomas le Train, mais quand même on sait jamais en fait, on sait jamais, donc du coup voilà. Et enfin la dernière partie, voilà, let's go, la dernière partie, voilà, on y est et on aura bientôt fini ce dessin, voilà, let's go. Hop, c'est bon, c'est bon. Et après, il va voir la passage au sortilège, l'invocation. Voilà. Let's go. Franchement, hey, franchement, je suis plutôt content du résultat. Hein. Il est plutôt stylé, hein. Il est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment, vraiment stylé. Voilà. Il est plutôt stylé. Et en vrai, si on compare, voilà, on a quand même fait une version un petit peu horrifique, hein. Il est vraiment pas mal. Du coup, là, on passe à l'invocation. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette vraiment, voilà, un peu comme du sang, tu vois, sur le pouce. Voilà. Hop, voilà. Je mets vraiment bien rouge, voilà. Un peu comme du sang, hop, voilà. Et quand c'est comme ça, on appuie bien fort ici, voilà, pour mettre une sorte de trace un petit peu de mon ADN en fait là-dessus. Et là, normalement, Thomas le Train a spawn. On vient d'entendre un bruit. Ok, on va sortir d'ici les abonnés et on va se retrouver à l'extérieur pour simplement trouver Thomas le Train. Donc voilà, à de suite. Les abonnés, on est sortis des locaux des chasseurs de monstres. Et là, on est en pleine recherche de Thomas le Train. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en forêt? Bon, on est sur un petit... parce que Thomas le Train, on l'a entendu. En fait, on l'a entendu. Du coup, on va essayer de rejoindre l'endroit qu'on pense où il peut être. 1. Attends, on va plutôt te montrer d'abord la route. 3, 2, 1. Donc vous voyez, c'est cette route là-bas qu'on parle, voilà, la route qui traverse dans la forêt. Alors là, on la voit pas très bien en vrai. On va, je pense, traverser. Alors on va peut-être pas aller directement sur la route parce qu'on serait une cible facile pour Thomas le Train. Là, j'espère que l'enfant... ouais, c'est bon, il est avec son chien là, j'espère qu'il allait pas sur la route. Non, c'est bon, il part sur le petit terrain de foot qui est à côté. Parce que sinon, ils allaient se jeter dans la gueule du loup, parce que je suis persuadé que Thomas le Train est un petit peu plus haut sur la route. On l'entend pas. Oh, on l'entend là. On l'entend. Ouais. On l'a entendu, on entend des bruits de... des bruits de train. Ok, vas-y. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on longe en fait dans la forêt, tu vois. Ouais. Pas qu'il puisse nous entendre ou nous voir. Et comme ça, si, tu vois, il pourra pas nous piéger s'il arrive de la route, tu vois. Donc, t'as un petit passage. Ouais, bah, faut faire juste demi-tour par là, en fait. Et okay. Puis après, prendre le petit chemin, le petit sentier pour aller derrière et longer la route. Vas-y, bah, let's go, vas-y, suis-moi, on y va. Let's go. C'est bon, du coup, on a trouvé notre route. Donc là, en fait, ça va nous permettre de longer en fait tout le long de la route sur laquelle on pense que Thomas le Train est. Enfin, Evil Thomas le Train, du coup. Thomas Exé, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler. Ce sera mis dans le titre de la vidéo. Parce que, effectivement, je sais pas comment il s'appelle exactement. J'en saurai plus, je pense, quand je mettrai le titre de la vidéo, etc. Pour l'instant, on va l'appeler Thomas le Train. Ou alors Evil Thomas le Train. Ou Thomas Exé, Thomas pour Exé. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Voilà, vous me dites en commentaire. Oh, on a entendu le bruit encore. On a entendu encore. On entend du bruit de train. Ça fait du bruit, hein. Ouais, ça fait vraiment du bruit. Ça siffle un peu, hein. Ouais, ça siffle un peu. Ça se trouve, les gens, ils vont croire que c'est le chemin de fer qui est à côté. Et les abonnés, j'ai un petit truc à vous proposer. Parce que je pense vraiment que Thomas le Train va être extrêmement stylé aujourd'hui. Je pense que voilà, Evil Thomas le Train va être vraiment vraiment stylé. Du coup, j'ai un petit truc à vous proposer. À 10 000 pouces bleus, on pourrait faire un truc vraiment stylé. C'est qu'on trouve soit une gare abandonnée, soit des rails abandonnés, etc. Et qu'on fasse une vidéo là-bas avec Thomas le Train, mais cette fois-ci sur des rails. Et que nous, on utilise, je sais pas, peut-être un truc sur les rails et tout pour s'enfuir. Ça pourrait être vraiment stylé. 10 000 pouces bleus et on tente une grosse vidéo comme ça avec Thomas le Train. Bon, allez, on continue. Alors, les abonnés, là, on a rejoint un chemin beaucoup plus large qui longe du coup la route. Alors c'est mieux pour les chaussures, mais le truc c'est que par contre, en vrai c'est pas top du tout parce que Thomas le Train clairement peut-être beaucoup plus vite accéder ici à ce chemin là, après il y a les arbres et tout. Normalement il est plus large que les arbres, il est vraiment gros, hein, quand vous allez le voir. Vraiment je pense que vous allez être choqués. En fait ce qu'il fait c'est que quand il y a des voitures qui passent, parce que les voitures c'est dangereux je pense pour lui, il se met sur le côté, il remonte ensuite sur la route. Le truc c'est que par exemple là il a la place de passer par exemple ici. Après de l'autre côté il y a des arbres et tout. Voilà, à mon avis, il fait des petits allers-retours, etc. J'ai vraiment hâte de le voir, les abonnés, mais vraiment, au moment où on va le voir, il va falloir courir parce que vous allez voir, il va être terrifiant. Il va vraiment être terrifiant, donc il va falloir faire extrêmement attention. Voilà, on se dépêche. On l'entend. Ah, je l'entends. On l'entend de plus en plus fort. Il doit vraiment être pas loin. Et à partir de maintenant, on va être beaucoup plus silencieux, on va être beaucoup plus discret. Parce que là, je sens qu'à tout moment, il peut être là. Et là, clairement, il y a moyen, en vrai, qu'il y a la largeur pour qu'il passe, là. Hein. Ouais, peut-être, hein, c'est pas. C'est pas. On va essayer d'être discret, on va essayer d'être discret vraiment. Wow, 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 wow. On l'entend vraiment, vraiment bien. Suis-moi, 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 suis-moi. Ok, vous devez pas le voir aux images. Je crois qu'il est juste ici. Ok, on va aller doucement sur la route. Ouais. Oh, il est tellement stylé. Oh, il est tellement stylé. Oh, il est tellement stylé. Il est extrêmement effrayant par contre. Frappe en genou. Ça fait quoi? Vite, 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 vite. Go, 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 go.
Ok. On l'entend plus ? Non. Et j'ai l'impression qu'on l'entend plus. En tout cas, t'as vu comment il était stylé ? Ouais, il était géant. Il est super gros, mais il est trop stylé. Tellement stylé. J'ai l'impression. J'entends. J'entends s'éloigner. Attends, vas-y, viens. Les abonnés, regarde, ils s'éloignent. Oh, il est en train de s'éloigner là. Bon, les abonnés, il est en train de s'éloigner. Du coup, je pense que bah pour aujourd'hui, ça va être terminé Thomas le Train et Ville Thomas le Train. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. 10 000 pouces bleus pour une nouvelle vidéo avec lui. Allez, bye tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite.